suis magicien. Et moi, Titi Magic, et je suis magicienne aussi. Et moi, Jérémy, et je ne suis pas magicien. Ce soir, nous allons vous présenter un numéro de magie. Plus précisément, un numéro d'évasion. L'évasion ou escapologie a été pratiquée il y a bien longtemps par plusieurs magiciens. Cependant, c'est en 1905 que cet art a été popularisé par Eric West, aussi connu sous le nom d'Eric Houdini. Ce soir, nous allons à notre tour tenter une évasion digne du grand Houdini. Mesdames et messieurs, nous vous souhaitons un bon spectacle. Nous avons tout d'abord débuté par enfermer Titi dans la poche. Je tiens ici une barre de métal que je vais vous montrer étant solide. Et je vais débuter à attacher Étienne avec la barre en l'entraînant de lier en aiguille. Sceller la poche à l'aide d'un cadenas. Voilà. Je vous montrais que, bien sûr, il était possible pour Titi Magic de s'évader de la poche. Thank you.
Mongolico, c'est le Q. T'es malade, j'en vois pas ça, c'est un habile moins. Hey, là, le 8e, on avait dit qu'on faisait tout comme en secondaire 1, on fait tout comme en secondaire 1. Je pensais pas, tu parlais vraiment comme ça. Hey, écoute, là, j'ai fait le 8e, on fait le qu'est-ce qu'on veut dire? En secondaire 1, ça passait. En secondaire 5, on est grandi. Et grossi, hein? Hey! Je connais. Ah, oh, ouais, ouais. Bon, ouais, commence-le. Bon, mesdames et messieurs, bonsoir. Je me présente Eiffel et je suis magicien. Je suis vraiment obligé de le dire. Oui, Étienne. Et moi, tu te magic, je fais chose. Tu te dis, et notre assistant, Jérémy Thériault. Jérémy Thériault. Jérémy. Voyons. Il est pas là. Comme d'habitude. Alors, mesdames et messieurs, Alexandre. Je suis magicien, puis pourquoi il y a juste moi qui a pas de nom cool? De quoi il y a pas de nom cool? Regarde, le mien, c'est Titi Magic! C'est Titi Magic! Bon, on peut t'appeler Bozo Clown, non? Alors! Mesdames et messieurs, on va commencer. Ça finit, ça? Ah oui! Bon, allez, mon test. Ce soir, nous allons vous présenter un numéro de magie. Plus précisément, d'escalope. Voyons, d'escalope. Voyons, d'escalope. Des Boswell, d'escalopologie. Hey! L'évasion a été pratiquée par plusieurs magiciens. Cependant... Cependant, wow! Belle organisation intellectuelle! Notre prof de français s'est fier de toi! Hors de tout but, t'as entendu que je finisse? Non d'accident, comme je disais, non d'accident! C'est quoi ça veut dire au moins, non d'accident? Aucune idée, j'étais allé voir le synonyme de cependant, il y avait ça. Non d'accident, c'est en 1905 que ça a été popularisé par Eric Sud-Ouest. T'as compris, il s'appelait Eric S. C'est une joke de point 400. Tu m'as l'air de ça, toi, d'un point cardinaux. Ben voyons. Bon, cet art a été popularisé en 1905 par le grand Eric Est, ou aussi gagné Mme Dodin et bon, ce soir, nous allons donc vous expliquer tout le mystère derrière ce numéro d'évasion. Est-ce que vous voulez voir ça? Oui. Non, vous voulez comprendre comment on a fait ça, hein? Oui. Vous voulez comprendre comment que nous, le duo magique, on a fait ça? Oui. Ben, duo magique. Ouais, c'est parce qu'on est trois. Ouais, mais on est deux belles chiens, pis y'a toi. C'est le principe du racisme, gars. Non? Alors! Bon, alors, comme je disais, on va enfermer Titi dans cette poche. Hey, bouge-la pas trop. Allez, mon Titi, rentre dans la poche. Alors, maintenant que Titi est dans la poche, tiens ça, je vais maintenant pouvoir insérer la barre de fer au travers de ce sac. Maintenant qu'il est bien emballé, oh mon Dieu, Titi, ce que tu es lourd, nous allons le placer derrière ce rideau. Le rideau qui est clair pour que tu puisses en faire. Et maintenant! Je peux pratiquer ça fait 5 ans, je m'en rappelle plus. Bon, maintenant qu'on a la paix, maintenant qu'Étienne est en poche, on va mettre. Bon, ça c'est dit. Bon, je t'ai rendu l'idée. Ah oui, c'est vrai. Titi devra s'échapper de sa poche afin de ne pas mourir. Ben, voyons. Sinon, il pourrait en découler de graves conséquences. C'est qui a écrit ça, gars? Toi, le bonzo. Ah, oui, c'est lui. Avant les derniers moments de la mort, clairement. Imminente de mon ami Titi Magic. Étienne, est-ce que tu aurais les derniers mots à dire avant ta mort? Je t'aime, maman! T'es pas sûr! Hey, c'est pas gentil, c'est cool! Alors, nous allons essayer de recréer la plus grande évasion de 2015. Êtes-vous prêts, mesdames et messieurs? Oui! J'ai entendu la mouvement! Oui! Alors, tu vas faire un décompte de 10 secondes pendant qu'on va essayer de sortir de la poche. C'est bon. Hey, ça fait 5 minutes que tu fais du blabla en way. Ouais, mais j'arrive. Ok, il faut changer de table. Trop été, pas de ça. Tu veux-tu que je te... Je vais te projeter la série. Ah oui, rentre dans la bouche. Rentre dans la bouche. Rentre dans la bouche. Ok, c'est bon. Abracadabra. Bon, le numéro est fini, c'est le
bonsoir. Bien, bonsoir. Les gars. Les garçons. Les garçons, c'est parce que je suis dans ma poche, je peux pas sortir parce que j'ai finalement pris. Arrange-toi que t'es pas loin. Hey, les gars, j'ai 5 piastres dans mes poches. Hey, you say yes, hey. Merci, mesdames et messieurs, si vous avez aimé, on s'appelle le duo magique. Si vous avez pas aimé, on est plus l'angevin.